Bonjour à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News. Nous sommes le dimanche 12 mai 2024. Il est 17h et j'ouvre la 19e visioconférence de la série Les Galactiques 2024, dont le thème ce soir est les émissaires stellaires, que l'on appelle aussi les Starseeds ou les graines d'étoiles. Je rappelle, comme je le fais à chaque fois, que toutes les informations que je communique sont strictement et uniquement de sources extraterrestres, transmises noir sur blanc à l'écrit et en audio, notamment par mon principal contact extraterrestre Zen, depuis le début de l'année 2016, voilà donc 8 ans. La présentation d'aujourd'hui est un extrait d'une conversation que j'ai enregistrée en 2020. Donc il ne s'agit ni de canalisation ni de télépathie. Je vais d'abord vous présenter la version terrestre de ce que sont les émissaires stellaires, les Starseeds, puis la version extraterrestre pour que vous puissiez former votre propre opinion. Dans mon livre « Premier contact », Starseed ou graines d'étoiles en français sont des personnes qui semblent être comme tout le monde en apparence, mais qui ont une manière très différente de penser ou d'agir de celle de la majorité des humains. Ils ou elles se souviennent d'avoir vécu sur d'autres planètes et sont persuadés d'être ici sur Terre pour accomplir une mission spécifique. Ils ou elles ont choisi, pour des raisons personnelles ou humanistes, de naître ici sur Terre et entrer dans un cycle d'incarnation terrestre. L'incarnation se fait généralement lorsque le fœtus a 3 semaines, mais quelquefois plus rapidement. Le rôle des Starseeds, des émissaires stellaires, est de rendre le monde meilleur, et c'est pour cette raison qu'ils sont envoyés sur Terre ou qu'ils ont choisi de venir. Ils aiment la nuit, se sentent apaisés lorsque les étoiles brillent dans le ciel et passent généralement moins de temps à dormir qu'une personne normale. Ils ne s'intéressent qu'aux choses importantes et ne s'arrêtent pas aux apparences. Les émissaires stellaires qui se réincarnent sur Terre sont divisés essentiellement en 2 groupes. Premièrement, ceux qui sont originaires d'une planète étrangère et descendus sur Terre pour y effectuer un travail ou accomplir une mission pendant un nombre d'années données, souvent la durée de leur vie terrestre. De manière générale, la majorité des terriens ont déjà vécu de très nombreuses incarnations sur Terre ou ailleurs et peuvent avoir besoin d'en vivre de nombreuses autres avant de pouvoir s'éveiller à leur statut stellaire et à leur mission, qu'il s'agisse d'émissaires qui utilisent des technologies de pointe ou des natifs qui passent d'une espèce à une autre et par l'évolution biologique naturelle. Les émissaires stellaires peuvent avoir besoin de nombreuses incarnations et cycles d'évolution avant de finalement réaliser qui et ce qu'ils sont. Pour ma part, je préfère appeler les Starseeds ou graines d'étoiles des émissaires stellaires, car un émissaire est une personne désignée pour accomplir une mission spécifique, un agent infiltré, un envoyé, un diplomate chargé de mener une mission à l'extérieur de sa planète. La seconde catégorie sont les natifs terrestres que l'on appelle aussi Earth Seed. Ce sont des personnes qui naissent directement et qui évoluent naturellement d'une espèce à une autre, sans l'aide de technologies de pointe. Lors du décès sur Terre, la conscience qui n'a pas d'autre corps vers lequel se diriger
pourra choisir d'y renaître ou de se réincarner sur une autre planète, par exemple chez les Andromédiens, chez les Arcturiens, les Pléiadiens, etc. C'est la manière dont on perçoit les émissaires stellaires sur Terre. Voyons maintenant les informations complémentaires qui m'ont été transmises par mes contacts extraterrestres. Les deux catégories d'émissaires stellaires, venus d'une autre planète et les natifs, se rencontrent partout dans l'univers. Ce n'est pas un phénomène spécifique à la Terre, car vouloir vivre dans de multiples endroits pour en faire l'expérience fait partie de l'évolution normale d'une personne. Certaines personnes préfèrent une planète à une autre et elles choisissent d'y vivre et de s'y réincarner définitivement ou de rester plusieurs vies dans cet endroit qu'elles affectionnent particulièrement. Après avoir évolué, les émissaires partiront vers d'autres cieux, mais toutes les personnes vivant sur Terre ont déjà vécu partout dans l'univers au sein de multiples races et groupes interstellaires. Beaucoup de terriens sont de purs natifs terrestres qui ont mûri spirituellement au point de s'éveiller à leur véritable identité, ce qui souvent leur donne le sentiment d'être des étrangers sur Terre, qu'ils trouvent en général très surprenante. Les deux catégories peuvent ou non avoir le souvenir d'être nés dans un autre endroit ou sur une autre planète, ce qui décuple leur sentiment d'aliénation. Les émissaires stellaires sont uniques et ont de multiples formes physiques, nationalités ou apparences, mais ils partagent un sens commun d'isolement car ils sont constamment confrontés aux besoins intérieurs, fortement prévalents chez eux, d'être au service des autres et d'être forcés de vivre entourés de personnes égotiques pour lesquelles ce n'est pas la priorité. Les deux catégories partagent ce dilemme parce que leur univers intérieur a changé et le monde réel a évolué et est déjà passé de la 3D binaire et duel terrestre à l'intimité esthétique et éthique du monde 5D non duel. Au moment de la naissance sur Terre d'un émissaire stellaire, la mère biologique doit avoir élevé sa fréquence naturelle par la méditation, par exemple, et elle doit être préparée à l'augmenter artificiellement afin d'accueillir le fœtus. Cela se fait technologiquement, selon les espèces, en utilisant les senseurs des vaisseaux spatiaux ou un drone sphérique d'environ 1 mètre de diamètre qui va cibler la personne de l'extérieur. L'autre méthode est d'insérer un petit appareil comme un implant qui sert à évaluer l'état physiologique de la future parturiente et à augmenter ou à changer la fréquence de la mère pour qu'elle puisse accueillir celle du bébé. Si ce n'est pas fait, des problèmes neurologiques peuvent survenir, mettant en danger à la fois la vie de la mère et celle du bébé. Cette mise à niveau est généralement effectuée par des extraterrestres appelés les petits gris, qui sont sous les ordres de multiples lignées extraterrestres. Lors de leur décès sur Terre, la conscience retourne, pour ceux qui sont dans des capsules holographiques d'immersion, dont je vais parler dans quelques minutes, la conscience retournera directement dans le corps mis en stase, quel que soit le vaisseau ou la planète où la capsule de stase est entreposée. Par exemple, si ce corps en stase se trouve chez les Pléiadiens, la conscience retourne systématiquement et directement chez les Pléiadiens. Si le corps en stase se trouve chez les Arcturiens, c'est là où la conscience retournera.
Les émissaires stellaires ont tendance à s'incarner en communauté et à se rechercher et à se regrouper. Mais beaucoup décident d'eux-mêmes de la mise en place d'une mission autoprogrammée en solitaire. Les émissaires qui ont recours à des technologies avancées entrent dans une capsule d'immersion et sont mis en stase sur leur planète, c'est-à-dire en coma artificiel, qui utilise des méthodes naturelles et non des produits chimiques. La personne entre dans une nacelle verticale qui se remplit du liquide régénérant et la personne est mise en stase, c'est-à-dire coma artificiel, contrôlé, pendant tout le temps où la personne est en mission sur Terre, peu importe le nombre d'années. Le coma permet de mettre toutes les fonctions vitales au repos à l'aide d'une intelligence artificielle. La conscience va se déplacer et intégrer le corps de destination, par exemple un corps sur Terre à la naissance. Cette conscience aura donc deux points d'attention, un point extraterrestre et un point terrestre qui sont reliés entre eux. C'est l'intelligence artificielle dédiée qui cible la fréquence d'attention d'une personne et la fait correspondre ou la synchronise avec le corps qui va naître sur Terre. Les deux corps doivent être parfaitement synchronisés pour correspondre à la fréquence de chaque émissaire stellaire, puis ils se connectent comme un émetteur et un récepteur radio bien réglés qui communiquent entre eux. Lors de la synchronisation, toute l'attention de la conscience sera alors dirigée vers le corps humain sur Terre, puisque le corps extraterrestre est dans le coma et donc inanimé. Lors du décès sur Terre, ce sera l'inverse. Le corps terrestre n'est plus disponible et l'attention de la conscience se réintégrera dans le corps stellaire d'origine, dans la nacelle d'immersion. Les capsules d'immersion sont entreposées dans deux endroits. Dans un bâtiment de type hospitalier sur la planète d'origine de l'émissaire ou sur un vaisseau spatial dans les salles spécialisées d'une longueur d'environ 2 km. Certaines biosphères artificielles sont aussi volumineuses que des planètes. Plusieurs milliers de terriens d'origine stellaire diverses sont enregistrés dans les bases de données de chaque lignée stellaire sous un numéro individuel. Les listes sont tenues à jour, identité sur la planète d'origine, lieu d'habitation avec la correspondance sur Terre, lieu de naissance, date de naissance, lieu d'habitation, accident, maladie, descendant, profession, mission, décès, etc. Tout est enregistré. Les stellaires protègent donc les membres de leur lignée, ils considèrent comme leur famille directe et ils font des check-ups réguliers à tous les niveaux, physique, mental, psychologique ou spirituel, à distance ou, comme je l'ai déjà expliqué, au moyen de drones ou de petits implants. En 2016, il y avait environ 5 000 Andromédiens, émissaires stellaires qui vivent ici sur Terre, 2143 pour une lignée spécifique de Pléiadiens. Mais il faut multiplier ces quantités par chaque planète d'origine. Une lignée interstellaire communiquera de préférence avec des terriens de la même lignée. Les Andromédiens sur des vaisseaux avec des émissaires Andromédiens sur Terre. Les Arcturiens dans des vaisseaux avec les émissaires arcturiens sur Terre. Les Syriens, les Pléiadiens, les Antariens, etc., feront de même. Ils sont de même culture stellaire, de même mentalité et de même style de vie. Mais ça n'est pas généralisable. Quelquefois, il y a des situations un peu différentes. Certaines races sont plus émotionnelles et d'autres plus logiques. Les émissaires ou
expatrié terrien d'origine stellaire de type émotionnel, n'apprécie pas systématiquement des extraterrestres plus logiques et rationnels. Et les émissaires stellaires de type logique ont tendance à se tenir à l'écart des races émotionnelles qui le sont quelquefois beaucoup plus que sur Terre. L'attention que portent les lignées stellaires aux émissaires terriens est variée. Certains les suivent pas à pas depuis la naissance jusqu'à leur décès, ou ils les exfiltrent, c'est-à-dire qu'ils les enlèvent. D'autres les laissent poursuivre leur mission sans s'en préoccuper ni les rapatrier lorsque leur mission est terminée. Ils les laissent poursuivre leur vie terrestre jusqu'à ce qu'elle se termine naturellement. Chaque émissaire stellaire à son libre arbitre, et beaucoup aiment vivre leur vie sur Terre sans se poser de questions ou sans agir au sein des communautés où ils naissent, parce que de toute façon, le fait d'être un émissaire stellaire, même ne rien faire, a déjà un impact sur la société terrestre, ne serait-ce qu'au niveau de votre famille. Leur mission. Ils sont ici sur Terre pour différents types de missions. En mission temporaire, dans des opérations sociales, psychologiques, spirituelles, politiques, éthiques ou militaires. En mission de longue durée, pendant toute leur vie, installés seuls ou dans des colonies dispersées en surface, sur la surface de la Terre, ou dans des bases souterraines à travers le monde. Ou des transfuges, des défecteurs ou réfugiés politiques extraterrestres, qui se sont installés sur Terre après avoir fui le régime de leur planète ou des sociétés régressives de type totalitaire et dictatorial. Les émissaires stellaires ont pas mal de difficultés à vivre dans la société terrestre. Enfin, tout au moins, jusqu'à ce qu'ils comprennent ce qu'ils sont réellement. Si quelqu'un est d'une fréquence élevée, par exemple, qui vient d'une planète en 5D, c'est-à-dire en 50 Hertz, en cinquième densité. La Terre est un endroit difficile à vivre car elle est en 3D, en 7,83 Hertz. Lorsque la fréquence de la planète baisse à cause de toute la négativité qui s'y passe, alors le décalage de fréquence s'aggrave, approfondissant le mal-être des émissaires stellaires davantage et quelquefois pendant très longtemps, des décennies quelquefois. Beaucoup d'émissaires stellaires qui ne se sentent pas originaires de la Terre se demandent qui ils sont, d'où ils viennent, quelle constellation et quelle planète. Ils essaient de se souvenir de leur vie précédente dans d'autres mondes. Vous avez probablement l'impression que vous avez besoin de savoir qui vous êtes en fonction de ce que vous étiez, sans réaliser que tout ce que vous êtes aujourd'hui est façonné par ce que vous étiez. Cette mémoire que vous essayez de retrouver se trouve donc déjà en vous. Ces souvenirs sont déjà en vous. Vous n'avez donc pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous dire qui vous êtes, parce que vous seriez à la recherche d'une confirmation extérieure et vous abandonneriez votre pouvoir d'être vous-même entre les mains d'une autre personne qui ne vous connaît absolument pas et qui pourrait, consciemment ou inconsciemment, vous manipuler. Si vos souvenirs doivent revenir, ils reviendront ou non le moment venu. Ce que vous imaginez aujourd'hui et ce que vous serez, votre création et votre avenir. Pour ouvrir le coffre secret de cette mémoire instantanée, pour décoder l'ADN, la mémoire des cellules, pour comprendre ce que vous êtes, l'accepter, le voir face à face, votre mission ou simplement le fait d'être vivant ici, j'ai créé l'atelier numéro 9 dans ma boutique qui ouvrira le 5 septembre à 20h15 et qui aura lieu tous les jeudis. Je suis en train de le construire dans ma boutique, mais les 16
ateliers seront entièrement consacrés aux émissaires stellaires. Voici les thèmes des 8 premiers ateliers. L'atelier numéro 1, c'est la présentation de mes contacts extraterrestres, notamment de Dzen, et la manière dont ils partagent les informations que je proposerai dans ces ateliers, que je propose ici dans ces visioconférences. L'atelier numéro 2, la méditation du moine de forêt, un résumé succinct de mon expérience de moine de forêt, des techniques de base, deux points de focus, méditation assise, passive et méditation en marchant active, l'intérêt, le but et pourquoi est-ce important pour les émissaires stellaires de pratiquer la méditation. L'atelier numéro 3, découvrez votre famille stellaire, l'exploration du subconscient grâce aux techniques d'exploration spirituelle régressive, l'induction des fréquences θ, la présentation succincte de 12 lignées extraterrestres qui vous serviront de base et de référence pour découvrir votre famille stellaire si vous ne la connaissez pas encore. L'atelier numéro 4, votre naissance stellaire sur Terre, les cycles d'incarnation sur Terre ou une autre planète, les techniques d'incarnation naturelle ou grâce aux technologies d'immersion avancées et les capsules holographiques d'immersion. L'atelier numéro 5, la programmation de votre future vie sur Terre, que vous avez prévu avant de venir. Vous vouliez vivre ici sur Terre, quelles étaient vos motivations? Était-ce des raisons personnelles, des buts humanistes? Pourquoi avez-vous décidé de vous incarner sur Terre plutôt que sur une autre planète? Atelier numéro 6, la programmation de votre mission. Vous l'avez aussi programmée avant de venir sur Terre. Quelles sont vos expertises? Quelle est votre mission? L'avez-vous programmée avant de venir? Normalement, oui. Comment pouvez-vous la définir et savoir ce qu'elle est? Atelier numéro 7, synchronisation par les extraterrestres, mise à niveau des fréquences maternelles dès le moment de votre conception. Quelle lignée extraterrestre abducte les terriens et pourquoi? Et l'atelier numéro 8, vos difficultés d'évoluer sur Terre, les phases d'évolution, la famille biologique, les décalages physiques, psychologiques, les passages en hôpital psychiatrique, les quêtes spirituelles non abouties, le mal-être, la difficulté d'être social, de se faire des amis, de communiquer avec les autres. Il reste donc dans cette programmation sur ma boutique 8 ateliers à compléter et au lieu de le faire moi-même, j'aimerais entendre ce que vous souhaiteriez. J'ai ouvert la porte à la discussion car j'attends de tous mes sponsors qui se sont inscrits au forfait sur ma chaîne YouTube qu'ils réfléchissent aux 8 ateliers restants et qu'ils me disent ce qu'ils souhaitent y trouver, ce qui leur tient à cœur, ce qu'ils souhaitent partager en toute franchise et j'intégrerai ces thèmes et ces motivations dans les 8 derniers ateliers. Nous allons écouter la question d'Isabelle et de Jean-Jacques. Est-ce que au moment de la conception ou pendant la grossesse, quand on resynchronise la maman, celle-ci est consciente de ce qui lui arrive? Alors, la synchronisation se fait avant la conception, pendant la conception, pendant la grossesse et après la naissance. Ça dépend des émissaires stellaires, ça dépend de beaucoup de choses. Si la mère est consciente et s'en souvient, bien sûr, mais les extraterrestres effacent la mémoire de telles interactions parce qu'ils ne veulent pas que la mère, ou voire même l'enfant, se souviennent de ces interactions avec eux. Ils souhaitent que les personnes, notamment les émissaires stellaires, vivent leur vie sur Terre de manière la plus normale possible. Et même comme ça, en oblitérant le fait qu'ils aient pu intervenir, ça sera souvent assez difficile
pour les émissaires stellaires de vivre sur Terre, surtout jusqu'au moment où ils apprennent ce qu'ils sont vraiment. Question de Lucie. Une mère qui avorte à ce moment-là, les raisons. Je vous l'expliquerai beaucoup, beaucoup plus en détail dans les ateliers numéro 9. Il y aura 16 ateliers, donc on va avoir le temps de voir ces difficultés ou quoi que ce soit que vous voulez aborder pour les clarifier en détail, parce que bon, faire une présentation, c'est bien, mais travailler en détail avec tout le monde et en présence, c'est beaucoup mieux, je dirais. Donc, on verra tout ça en détail dans les ateliers numéro 9 qui commenceront le 5 septembre. Mais donc, un avortement, c'est la décision de la mère. Il se peut que l'émissaire stellaire ait choisi de traverser cette expérience. Il se peut aussi que la décision soit prise directement par la mère et soit les extraterrestres la laissent faire, soit ils vont intervenir. Donc souvent, ils vont abducter la mère et le fœtus est à ce moment-là mis dans une capsule holographique où il va pouvoir continuer à vivre. On en reparlera dans les ateliers, parce que je pense que pas mal d'entre vous allez y venir parce que vous avez vraiment besoin d'exprimer tout cela. Donc, ça sera des groupes. Ça sera ici sur Zoom, mais on se verra. J'enregistrerai les sessions qui seront rediffusées sur YouTube pour que d'autres émissaires stellaires puissent aussi s'identifier et puis peut-être qu'on peut élargir le groupe. Mais l'enregistrement ou tout au moins le replay ne comprendra vos partages ou vos questions et mes réponses que si vous donnez votre accord. Donc l'accord sera demandé à chaque fois. Question de Maria. J'ai beaucoup médité pendant mes grossesses. Je les ai beaucoup massées, beaucoup eu de contacts élevés dans des produits naturels. Mais maintenant, elle croyait en rien de ce que je dis, très terre à terre, disons. Il n'y a pas d'ouverture d'esprit. Parce que j'ai vraiment récolté des vrais terriens. Ah, vous êtes amusante. Comme si les vrais terriens sont vraiment des individus incontrôlables ou ingérables. C'est souvent le choix des émissaires stellaires, vous savez. Donc, si vous êtes une émissaire stellaire, vous pouvez très bien avoir choisi cette expérience pour justement la vivre et vivre cette confrontation ou venir à bout de quelque chose qui est peut-être en vous, quelque chose que vous devez expérimenter pour le clarifier et puis le laisser aller définitivement. Il y a plein de raisons de conflit entre les terriens ou une mère biologique terrienne et puis un émissaire stellaire qui naît dans une famille tout à fait, comme on l'a dit, terrestre. Ou alors c'est l'inverse. Et c'est souvent presque obligatoire parce que si vous naissiez terrien dans une famille terrestre, enfin totalement terrestre, donc il y aurait aucune problématique extraterrestre. Donc vous ne seriez pas une émissaire stellaire en quelque sorte. Ou alors vous êtes ici de manière naturelle pour continuer ou engager un travail que vous voulez faire ici et vous êtes en parfait accord avec ce qui se passe sur Terre et la Terre. Par contre, si vous êtes une émissaire stellaire, en général, vous allez choisir une mère terrestre parce que vous ne voulez pas vous identifier justement avec ce qui va vous être appris depuis la naissance et vous allez probablement immédiatement remettre tout cela en question. Et tout le temps qu'on ne comprend pas qui on est ou que l'on ne traverse pas le processus de l'illumination. Ce sont souvent des situations conflictuelles. Mais tout ça, ça se gère, ça s'apprend, ça se découvre. Quand on découvre qu'on est différent, ça ne veut pas dire qu'on vaut moins que les autres, ça veut dire tout simplement qu'on est différent. C'est comme si, par exemple, vous compariez quelqu'un qui vit dans une tribu, dans une forêt reculée en Amazonie, qui a toutes ses croyances, sa culture, ses actions, sa manière de manger, de s'habiller, etc. Et puis
un Parisien au cœur de Paris. Vous voyez, ce sont deux choses, deux manières d'être, des cultures totalement différentes. Donc, il faut toujours apprendre à communiquer, etc. Mais c'est souvent assez difficile quand on ne sait pas qui l'on est soi-même. Tout cela aussi, on le verra, on le travaillera dans les ateliers numéro 9. Mais voilà déjà un début de réponse. Il y a des questions sur le chat. Michel qui dit qu'elle a l'impression qu'une certaine aide est fournie aux émissaires stellaires et pour qu'elles se souviennent de qui ils ou elles sont. Est-ce que c'est vrai? Si oui, quels sont quelques exemples d'une telle aide? C'est vrai si vous avez programmé vous-même de l'être, c'est-à-dire que vous avez, et ça je l'expliquerai aussi en détail dans les ateliers, vous avez programmé vous-même de naître ici sur Terre et toute votre mission ici sur Terre. Si vous avez décidé de votre plein gré et de votre libre arbitre d'être aidé, vous le saurez puisque c'est votre décision. Et donc les extraterrestres s'entraident et surtout les membres d'une même famille. Donc oui, il y a de l'aide qui est apportée, mais ça n'est pas une aide inconsciente. C'est toujours quelque chose qui est programmé. Donc si vous êtes en contact avec des extraterrestres, par exemple, c'est parce que vous l'avez programmé, peut-être pour compléter des choses que vous ne saviez plus. Question de Maria, elle écrit. Il y a beaucoup d'amour entre nous, je dois juste... Ah, vous voulez dire, Maria, avec vos filles? Mais qu'il ne faut pas parler de spiritualité ou d'extraterrestres. C'est leur volonté, vos filles sont peut-être des émissaires stellaires qui ne veulent pas que vous les programmiez dès qu'elles sont arrivées ici sur Terre. Irina, pourriez-vous dire quelque chose sur la connexion entre les émissaires stellaires et le programme Super Soldier? Des hommes comme Randy Kramer, Tony Rodriguez, très actifs sur les réseaux sociaux. Ce sont des émissaires stellaires qui ont choisi cette voie dans ce genre de programme militaire ou qui ont été extraits pour rejoindre de tels programmes. Question de Nadine. Existe-t-il des émissaires stellaires qui sont en stase sur Terre, dans certaines bases ou certains lieux? Chaque lignée extraterrestre a un nombre, je dirais, assez limité d'émissaires stellaires ici sur Terre, qui sont tous positionnés sur des points géographiques spécifiques, ce qui fait que les liens entre eux, qu'ils soient conscients ou non, forment une grille, un peu comme les pyramides. Chaque émissaire stellaire ou chaque communauté d'émissaires stellaires représente la même chose qu'une pyramide, parce qu'en fait, si vous vous souvenez, je vous ai expliqué que Ishta de Héra, ou Ishtar, c'était son invention des capsules holographiques d'immersion et de stase pour justement remplacer les pyramides qu'elle trouvait inefficaces, enfin, qui sont devenues inefficaces dans les confrontations qui avaient lieu entre eux, les lignées extraterrestres qui vivaient sur Terre, c'est-à-dire d'un côté les habitants de l'Atlantide et de l'autre côté les habitants de la Lémurie. Ishtar a trouvé que les pyramides n'étaient plus aussi efficaces et que c'était beaucoup mieux de faire naître sur Terre des émissaires stellaires qui intègrent un corps terrien et qui sont comme des agents infiltrés à l'intérieur de la société terrestre pour l'aider à se transformer. Tous les émissaires stellaires n'évoluent pas dans les mêmes domaines. Vous avez des émissaires stellaires qui sont impliqués dans la thérapie, le soin. Il y en a d'autres qui sont impliqués dans l'informatique, d'autres qui sont impliqués dans les sciences humaines. Et chaque émissaire stellaire ou chaque groupe d'émissaires stellaires travaille ensemble dans ces domaines. Question de Suzanne et Sylvain. J'aimerais savoir si un émissaire stellaire qui a écrit tout son programme jusqu'à sa mort, peut-il y avoir un bris, une infiltration, quelqu'un qui aurait, en fond, peut-être un dérangement dans le programme? Quelquefois, c'est simplement vivre à un endroit donné, c'est tout. La personne n'a rien d'autre à faire. Mais il y en a d'autres, des émissaires stellaires, qui se prennent au jeu
de la société terrestre et ne remettent jamais rien en question et sont très bien comme ça. Ils ne veulent pas remettre en question leur vie sur Terre, c'est leur choix. Quand il y a un dérangement, c'est-à-dire que l'émissaire stellaire a préparé un programme et puis il y a quelque chose d'inattendu, de non programmé qui se produit, alors c'est à l'émissaire stellaire de décider ce que elle ou il va faire. Chacun a son libre arbitre. Question de Marie-Élisa. Lorsqu'il s'agit d'une mission de plusieurs incarnations, à la fin de chaque incarnation, retourne-t-on à la capsule ou continue-t-on ici sur Terre? Où va-t-on entre les incarnations? C'est-à-dire que quand vous êtes un ou une émissaire stellaire en stase, c'est-à-dire que vous avez utilisé des technologies avancées, vous pouvez très bien programmer à l'avance plusieurs incarnations ici sur Terre, vous décédez entre chaque, vous retournez dans votre corps stellaire, vous y passez, je sais pas, 1 heure, 10 ans, vous revenez sur Terre, vous continuez avec votre seconde incarnation, la troisième, etc., etc. Donc, entre chaque retour dans votre corps stellaire, si vous êtes en stase, vous pouvez y rester un infini moment ou alors une décennie. C'est votre décision. Vous pouvez aussi faire chevaucher plusieurs incarnations et plusieurs missions ici sur Terre, être en mission ici sur Terre, avoir, c'est très compliqué, mais avoir un autre corps dans une autre lignée où vous intervenez dans cette lignée tout en étant incarné ici sur Terre. Parce qu'en fin de compte, vous avez 2 corps, vous pouvez même en avoir plusieurs autres. On verra tout ça dans les ateliers numéro 9 parce que c'est très complexe. Question de Philippe Alécrit. Un émissaire stellaire peut-il demander un conseil ou un soin particulier à sa famille stellaire pendant son sommeil ou encore un check-up santé, etc.? Bien sûr, oui, vous pouvez le demander télépathiquement. Envoyez votre message, contactez votre famille et demandez le soin. Votre famille est là, toujours prête à vous aider. Sauf si vous avez évidemment des difficultés avec cette famille extraterrestre, vous ne voulez plus leur parler, ils ne veulent plus vous parler. Dans ce cas-là, ça sera un peu difficile. Mais si vous avez de bonnes relations avec eux, il n'y a pas de souci, ils viendront vous les apporter. Sonia, je ne vais pas lire votre commentaire parce que je souhaiterais que vous partagiez tout ce que vous avez partagé déjà dans la première communication et celle-là, avec votre première hypnose régressive, vous en parlerez dans les ateliers, s'il vous plaît, parce que c'est extrêmement personnel. Question d'Irina. Avez-vous une idée combien d'émissaires lyriens et syriens il y a en ce moment sur Terre? C'est toujours plusieurs milliers de toute façon. Et il en vient de plus en plus. Je vais donner la parole à Franck. Les émissaires stellaires vivent leur vie pour eux-mêmes parce que tout est enregistré ou la vie qu'ils mènent sur Terre sert aussi d'expérience pour leur groupe stellaire. Ce sont les deux réponses. C'est à la fois une expérience pour un bénéfice personnel et lorsqu'on retourne sur notre planète ou dans notre groupe, forcément, ça en fait bénéficier la lignée. Par exemple, ici sur Terre, lorsque vous réalisez quelque chose et que vous avez une expérience et que vous le partagez, eh bien, c'est à la fois pour vous et pour votre communauté, ou voire même la totalité des humains, si vous avez conscience que ce que vous faites a un impact à ce niveau-là. C'est à la fois pour vous, pour votre communauté et pour les habitants de votre planète, voire même tout votre système stellaire. Mais il faut déjà comprendre comment on a un impact en tant qu'émissaire stellaire, comment on a un impact sur l'ensemble. Il faut en avoir conscience pour que ça se réalise. Question de Olivier à l'écrit. Est-ce que en tant qu'émissaire stellaire, on peut communiquer avec l'intelligence artificielle qui s'occupe de notre corps en stase pour changer certains paramètres d'incarnation sur Terre. Pas les données de base que vous avez mises en place. Maintenant, s'il s'agit d'opérations ou de fonctionnements
qui vous aident à mieux exécuter votre mission, mais vous ne pouvez pas changer les données fondamentales. Je ne peux pas donner de réponse généraliste. Ça dépend vraiment des cas. Je redonne la parole à Franck. Vous avez dit que les émissaires stellaires pouvaient programmer plusieurs vies en étant en stase. Mais au cours de ces vies, ne risquent-ils pas de tomber dans le piège du karma ou dans la boucle du karma qu'il faut justement éviter? Alors ça, si vous le voulez, le concept du karma, nous pourrons l'aborder aussi dans l'atelier numéro 9, mais le karma n'existe pas. Il n'existe que si vous croyez qu'il existe. Et je n'en dirai pas plus parce que ça n'est pas du tout non plus la thématique de cette présentation, ce sont les émissaires stellaires. Mais les émissaires stellaires peuvent sortir de tout cela. Il faut déjà prendre conscience de qui l'on est, de ce qu'on fait, de ce que l'on veut faire, de ce qu'on a programmé. Mais le karma n'existe pas, il n'y a que des actions. Je ne vais pas m'engager dans les explications maintenant parce que c'est un sujet quand même assez dense. Question okay. De Lucie. Est-ce que c'est nous qui choisissons notre mère ou si c'est l'inverse? C'est nous. Vous programmez votre incarnation ici sur Terre point par point. Donc vous choisissez vos parents, vous choisissez de naître là où vous êtes né. Et ça, c'est quand vous avez toutes les capacités de le faire. Il y a des situations où les émissaires stellaires viennent ici dans des situations de stress, par exemple parce qu'ils veulent partir de leur société, ils n'aiment pas la société sur leur planète, et donc là ils ont beaucoup moins de choix. De manière générale, c'est nous qui le décidons. Il est 18h, c'est passé de manière extrêmement rapide. Je vous remercie pour votre présence et vos questions, et j'espère que nous nous retrouverons lors des ateliers numéro 9, pour aller encore plus profondément dans votre nature d'émissaire stellaire. Et j'espère que je pourrai vous aider à faire fleurir tous ces aspects et vous donner un peu plus d'assurance et d'information sur ce que vous êtes vraiment. À très bientôt, merci.